Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer l'ensemble des emplacements des contrats de recherche de la semaine. Alors désormais auprès de l'araignée sur le récif, donc c'est le personnage qui vous propose les différents contrats. Et il vous propose notamment des contrats de recherche. Alors c'est des ennemis supérieurs qu'on doit trouver sur des planètes, donc vraiment sur l'ensemble des planètes. Et du coup aujourd'hui je vous propose l'ensemble des emplacements puisque je les ai moi-même terminés à l'instant. Alors tout d'abord, comment pouvoir acheter des contrats de recherche? Il vous faut des mémoires de spectre. Les mémoires de spectre, vous pouvez les récupérer en terminant des événements publics, en faisant des secteurs oubliés, en tuant des boss et en ouvrant les coffres. Enfin, voilà, il y a plein de façons de les récupérer. Et il y a des contrats donc qui coûtent entre, si j'ai pas de bêtises, 1 ou 2 mémoires de spectre. Et le plus cher doit coûter 4 ou 5 mémoires de spectre. Il y en a vraiment pas mal à faire. Du coup, il faut vraiment quand même pas mal farmer les événements publics, etc. pour pouvoir récupérer ces mémoires de spectre. Alors moi, si je dois vous donner un petit conseil, vous farmez, vous achetez tous vos contrats. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai farmé, j'ai acheté les contrats au fur et à mesure, je retournais farmer. Et après je me suis vraiment posé et j'ai fait tous les recherchés à la suite. Alors dans cette vidéo je vous propose tous les emplacements des recherchés. Alors il y en a beaucoup qui sont dans des secteurs oubliés. Il y en a d'autres, ce sont des boss qui spawnent aléatoirement. Vous savez, des fois en bas à gauche vous avez une phrase et il est écrit un boss supérieur vient d'apparaître dans le secteur ou quelque chose comme ça. Et bien à ce moment là souvent c'est des boss recherchés qu'il faudra donc tuer. Donc je vous ai mis une petite phrase en bas comme ça vous pourrez trouver. Il faut savoir également qu'il y a un contrat beaucoup plus important, donc qui permet également d'obtenir un engramme brillant. Et celui-ci coûte 5 mémoires de spectre, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5. Et il permet d'avoir un engramme brillant, donc un engramme plus haut que votre niveau de puissance actuel. Donc c'est vraiment intéressant de le faire. Je l'ai fait, alors en fait c'est une aventure, je vous la mettrai à la fin de la vidéo, je vous la mettrai pas en entière parce qu'on avait une vingtaine de minutes. Le niveau est vraiment élevé, c'est 340 de puissance conseillée, on s'est fait retourner, franchement surtout moi je me suis fait vraiment retourner. On était deux, on a réussi à le faire et je vous mettrai également mon loot tout à la fin de cette vidéo qui est vraiment très sympa. Avant de vous laisser regarder les différents emplacements, je tiens également à préciser que dans les commentaires je vais mettre directement des raccourcis pour vous permettre d'aller plus rapidement vers le boss que vous cherchez. Vous aurez juste à cliquer sur le petit chrono qui va s'afficher en bleu, je vous mettrai tous les temps, ou sur téléphone, je crois qu'il faudra juste avancer avec le curseur, comme ça vous pourrez vous rendre directement sur le boss qu'il vous manque si jamais vous avez déjà commencé ces contrats. J'espère que cette vidéo vous aidera, je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos, les potes, prenez soin de vous, tchuss!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
serviteur. En fait, il s'agit d'un nouveau serviteur. Quand vous les détruisez, il le reste pour de bon.